Et coucou tout le monde, coucou mes petits renardos, j'espère que ça va et nous allons continuer notre jeu Chroma Squad. Donc hop, donc on allait entamer la nouvelle saison il me semble, si je me souviens bien. Je pense que c'est ça, on allait entamer la nouvelle saison, j'ai baissé le son dans mon casque. Enfin, de toute façon, encore une fois, le studio, il n'y a plus rien à changer, hein, il est au max, il n'y a plus rien à augmenter. Ouais. On peut encore monter. Bah tiens, on va le prendre. Hein. Studio de luxe, hein. En même temps, vu le pognon qu'on a. On prend ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. On prend tout. On prend tout. Fond vert correct. On prend tout. Projecteur. On prend. On prend. On prend. Voilà. Voilà. En même temps, là, vu le pognon que j'ai, je pense que je pouvais me permettre de dépenser un peu pour un excellent studio, quoi. Waouh! Nouveau marketing, on est toujours sous agence. Ok, on est toujours sous agence. Bah, voyons voir un peu ce que ça donne, donc. Ouais, c'est ça, c'est le lancement. C'est le lancement de la nouvelle saison, c'est ça. Une menace inédite fait son apparition, quelqu'un a piraté Cérébro et les choses vont devenir très déroutantes. Ok. 15 000 pour l'audience max. Ok. Garder Louis debout, vaincre 4 ennemis dans le même tour, attaquer, réaliser 3 attaques en équipe, 10 attaques en équipe et vaincre un boss avec un coup de grâce. D'accord, ok. Téléporté en urgence, les Chroma Squad arrivent dans la chambre de Cérébro. Cérébro, nous avons reçu le message de commande du commandant Combe. C'est exactement ce que j'allais dire. Le commandant Combe m'a envoyé des instructions pour invoquer le héros de Mithril dont vous avez besoin. Formidable. Ils ont dit de les contacter dès que possible. Ils étaient occupés par une sorte de bioman. Ah j'ai entendu parler. C'est un tort. De Cérébro à univers. Oh oh. Qu'est-ce que c'est? Peut-être un message crypté? Simon, que se passe-t-il? Je n'ai pas le bon équipement ici, tenez bon. Shérif, je vous invoque. Cérébro, tu vas bien? On ne comprend pas un mot de ce que tu dis. On devrait peut-être apprendre Simon. Puis au bout d'un moment... Simon revint avec un ami. Et vous tous, voici Louis Crémen, un ami à moi. D'accord, c'est lui, Louis, ok. Toutes mes connaissances en informatique viennent de lui. Dis-leur ce que tu viens de faire, Louis. En consultant vos logs, j'ai découvert qu'une société de divertissement télévisuel vous espionne depuis un moment. Mais ne vous inquiétez pas, ce sont juste des gens sans créativité qui essaient de voler vos idées pour se faire de l'argent facile. Le plus important, c'est que quelqu'un a récemment utilisé votre réseau Wi-Fi pour injecter du code dans Cérébro. Ce code a piraté la mémoire de Cérébro en bouleversant toutes ses valeurs. Il voulait sans doute prendre le contrôle de Cérébro. La bonne nouvelle, c'est que j'ai fait le ménage et qu'il devrait très bien fonctionner après avoir redémarré. Peut-être bien, Q. Mais Cérébro vient de bafouiller des symboles au hasard, rien d'autre. Sans doute la mémoire tombe. Des ennemis, des nénamis. Bonjour les nénamis. Oh non, nous sommes envahis. Oh, ça va encore être un truc de survie, ça j'ai l'impression. Attention Louis, on va te protéger. Ne vous inquiétez pas pour moi. Vaincre 4 ennemis dans le même tour, d'accord. Techniquement on tape bien fort maintenant, donc voilà, ça fait 1. Ça fait 2. Ça fait 3. Et ça fait 4. Et ben voilà. Ce qu'on va faire, attendez. On va faire un truc. Ok, parfait. Voilà. D'accord. On reste là.
pour ça que j'ai un rhinocéros qui a pop, qui a pop. Hein. Ok. Ok, on l'a tué. Toi. Parfait. Je pense que je me chromatiserai aussi pendant cette partie-là, comme ça on sera déjà chromatisé pour la partie d'après. Voilà, hop. Lumière, caméra, chromatisation! Je sais pas pourquoi elle s'est mise en... Ah non, c'est... Je savais pas que tu pouvais aussi te battre, Louis, c'est trop cool. Sauf que t'as rien fait du combat, mais bon. En fait, je n'ai fait qu'improviser. Cérébro, tu devrais peut-être recontacter les chéris de l'univers. Est-ce que la mémoire de Cérébro pourrait encore être affectée? C'est le seul moyen de les contacter. Ce serait mieux de le redémarrer avant de réessayer. Ça devrait marcher correctement, mais essaye donc. De Cérébro à chéris de l'univers, je vous invoque, l'heure est venue. Oups. Ça a marché? Apparemment pas. Salut mes mignons. Lord Gaga. Tu as piraté les mémoires de Cérébro. Oh, ce n'est pas moi. Je suis plutôt nul en informatique. Sans quoi j'aurais simplement piraté votre petit jeu. C'est l'œuvre de mon nouveau petit monstre, Cyber Shark. Mais j'en rends pas cette fois, Lord Gaga. J'aime bien me divertir, alors je devrais peut-être rester. En fait, je vais laisser Cyber Shark s'occuper de cette petite fête. Ah, pas mal. Salut les amours. Je m'en charge, my lord. Je te laisse gérer la suite. Je suis Cyber Shark, le maître des ordi, auteur du crime virtuel d'avoir perturbé les cellules mémoire de Cérébro. Mais attendez, c'était un crime? Non, je ne crois pas. Hé, le pirate, ça doit de réparer Cérébro. Tu as joué un sale tour à sa mémoire. Moi? La prochaine fois que tu veux utiliser de vieux appareils, réparer avant de les connecter à Internet. Il n'a pas tort. Ah, ça craint, mais t'as raison. Cela dit, on ne joue pas avec les appareils des autres. Ne t'inquiète pas, j'ai juste emprunté les données à Cérébro pour empêcher aux chéris de l'univers d'arriver. Toutes les données sont en sécurité avec moi et tu les auras jamais. Alors prépare-toi, Cyber Shark, ton heure est venue! Voilà, réaliser des attaques en équipe, vaincre un boss avec un coup de grâce. D'accord, ok. Déjà, il faut des attaques en équipe. Donc, ce qu'on va faire. On va se mettre là. Hop. Voilà, ça en fait une. Toi, tu vas te mettre là. Voilà, ça en fait deux. Et toi, bah, viens te mettre ici. J'ai plus besoin de le garder debout, donc il peut attaquer maintenant. Raté. Il vaut mieux qu'il en invoque parce que si on doit faire des combos. C'est pas juste! Je suppose que lui il doit compter aussi comme combo.
Ouais. Ça compte. Ça, il servira de jump pour les autres, en cas de besoin. Il m'en faut encore 3, ce sera bon. Parfait. Voilà la dernière attaque en équipe. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'affaiblir pour lui donner le coup de grâce. Pour éviter qu'il le soigne. Le problème, c'est que là, j'ai peur que s'il y en a un seul qui contre... Parce que là, s'il y en a un qui contre... Ok, c'est bon. On va l'avoir. Là, on est bon. Ok. Oh, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud pour le coup. Ah, le survivor, quoi. Heureusement. Je dois me méfier de l'inverse. C'est vrai qu'elle tape super fort. Mais j'ai trop peur à ton sujet. Mais tu as raté quelque chose. Je gagnais du temps pour effacer totalement la mémoire de Cérébro. Vous venez de perdre ce combat, Chroma Squad. La seule chose qui te manque est ta référence à notre monde, Cybershark. Quel mauvais jeu de mots. Ils m'ont donné du temps pour te pirater. Voilà, Cérébro a retrouvé toute sa forme. De Cérébro à shérif de l'univers, me recevez-vous. Gloops. Nous t'entendons très bien, Cérébro. Hi-ha! Oh ouais! Je vous invoque, l'heure est venue. La Terre est en danger. Il y a des gens à qui je tiens beaucoup sur Terre. J'ai fait le savoir de protéger cette planète de mon cœur. Ainsi, je suis devenu un shérif de l'univers. Je ne te pardonnerai pas, Cybershark. Au nom de la justice, je vais t'éliminer. Ah, au revoir, monde. Wouhou, quelle entrée. Super boulot, monsieur shérif. Merci Chroma Squad, content d'avoir pu aider. Nous remercions les chéris de l'univers pour leur aide. Bienvenue sur Terre. Cérébro a l'air en pleine forme. Une fois Cybershark vaincu, tous les systèmes de Cérébro ont pu être rétablis. Je sens que le monde est important. Le moment est important. Nous reprenons le dessus sur l'ordre Gaga et ses serviteurs. Avec cette aide, nous allons pouvoir vaincre le mal une fois pour toutes. Je vais canaliser les particules et les synthétiser au nom du bien. Tout le mal disparaîtra de ce monde. Eh ben dis donc. Oh bah ça va! Regardez-moi ce pognon qui rentre! Regardez-moi ce pognon qui rentre! Ouah! Bah ça va, j'ai bien fait d'agrandir mon studio parce que là honnêtement, vu le pognon qui est rentré, je crois que je dois être une des séries Sentai les plus bénéfiques à ce niveau-là. Dehors les robots géants.
Cher responsable de Q Corporation, je représente le groupe Voisins Fâchés du quartier sud. Bah tiens donc. Vous devez arrêter d'enregistrer vos batailles de méca dans notre quartier. Pourquoi ont-elles toujours lieu au même endroit? Ça, c'est une question qu'on se pose souvent dans les Sentai. Vous avez détruit ma maison tellement de fois qu'à chaque fois que j'ai fini de la réparer, vous arrivez à la toucher avec un rayon laser ou un robot géant. On est désolé, déménager. Tiens. Ah, dans ce cas, aucun souci, continue à tourner. Putain, le mec, il est sympa, quoi. On lui dit dégage de chez toi. On lui dit dégage de chez toi et... Vous pouvez prendre ces matériaux de construction, j'en aurai plus besoin. J'avoue, le mec, on lui dit dégage de chez toi et il part tranquillou. ok. Gagner 3360 de bonus d'armure conventionnel à votre niveau de combo. Pourquoi pas. Donc ça, c'est pour le torse. Ok. Rayon chroma. Ah, c'est niveau 4, quoi. Ok, d'accord. Je vais prendre ça de toute façon, voilà, hop. Niveau des bras, qu'est-ce qu'on a? On a toujours l'épée, pour être pas mal. En fait, moi j'avais pris ça, parce qu'on avait plus d'attaque. Mais c'est vrai qu'avec ça, on a quand même l'épée, ce qui peut être cool. Et voilà, tac. Vas-y. Ah, il y a quand même beaucoup de niveaux à ce niveau-là. Hein. Waouh. Donc ça aussi son rayon d'attaque. Vas-y. Ok, je suis en train de me constituer un robot de... Zut. De ouf. Et les jambes. De charmantes bottes en EVA. Qu'on prenne un espace pour stocker plus de rubans adhésifs et plus de colle en cas d'urgence. D'accord. Là, je pense qu'on peut pas dire que mon robot il est pas en état. Hein. Niveau de la boutique. Allons-y. Donc on a 5 épisodes, ok. Le vieil ours de Colin. Lord Gaga est allé trop loin, il a pris l'ours de Colin sur internet et le monde ne va pas tarder à s'effondrer. D'accord. Bah écoutez, on va faire ça. Instruction capitalisateur, partie 1, vaincre un boss avec Asso. Alors Asso, c'est... Attendez, c'est qui Asso? Je sais jamais c'est qui Asso en fait. Ok, ah bah, ça va, c'est celle qui tape le plus fort, ça va. Donc vaincre un boss avec Asso, maintenir la santé de tous les acteurs au-dessus de 50%, ça ne va pas être compliqué. Zut. Garder J debout, donc ça va connaître quelqu'un en plus. Vaincre un boss avec un coup de grâce. Vaincre un boss... Ok, donc... attends, un combo de 7, on n'aura jamais un combo de 7, ça c'est même pas la peine ça. On n'aura jamais un combo de 7. On tape trop fort. C'est un ours, c'est ça? C'est un bel endroit pour une petite danse. L'ours le plus terrifiant du monde, la légende veut se mettre à danser. C'est l'ours qui appartient à Colin.
Il semble inoffensif, mais quand il se met à danser, il contrôle tous les esprits faibles autour de lui. Encore du travail de haut vol de la part de Lord Gaga. Les Chroma Squad arriveront-ils à temps pour mettre fin à cette danse mortelle? Va pas plus loin, ours de Colin! Il a pas de nom, c'est ours Colin. Repars chez Lord Gaga. Ne me menacez pas, Chroma Squad. Ou bien quoi, boule de poil? Vous verrez. Attendez. Voilà. On va quand même gagner un peu d'audience en tuant des ennemis. Hein. Défie-moi. Bon, ça va. Ça fait un point de dégâts, ça va. C'est quoi, traumatisation? Bon bah ça aurait été vite. En même temps elle fait des coups critiques à Donf quoi. Ah c'était assez drôle en fait. Silence, ce n'est même pas ma forme ultime. Une personnalité amicale apparaît au loin. Vous entendez seulement les mots ne pas urs, ce qui est incompréhensible. Après plusieurs cris lointains. Ne tuez pas l'ours, je suppose. Ne menacez pas l'ours! Ah. C'est trop tard, qui es-tu? Désolé, je me présente. Je suis Jay Santo, un des développeurs du moteur que vous utilisez. J'ai dû me télécharger dans le jeu pour vous avertir qu'il est déconseillé de vous jouer avec cet ours. C'était quoi ça? C'est rien, ce quatrième mur qui a explosé. Ce n'est plus un ours ordinaire. La deuxième phase de test m'a démontré qu'il pouvait se transformer en ours ennemi mal équilibré. Et en jugé par les flashs, c'est vraiment trop tard. Ah! Toutes les lumières se mirent à clignoter et soudain la panne. Oh non, ça a commencé, j'arrive trop tard, je suis désolé, Chroma Squad! Ça va l'aider, pas de soucis. Des grognements envahissent les lieux. Il se passe forcément quelque chose. Non! C'est rien! C'est juste Simon qui a craqué son pantalon. L'ours de Colin s'est transformé. Oh mon dieu qu'il est moche. Allez les mauviettes. Je crois que j'ai déjà vu ce monstre dans un dessin de taille en plus. Il s'est transformé en ours géant. Mince. Vous l'avez dit. Mouahaha. Game over, Chroma Squad. Donc il faut que je garde Jay en vie surtout. Oula, il y a du... Oh putain, il y a du monde hein. Eh ben, Yido. Et attends un peu. C'est vraiment aussi mal fichu et plein de bugs que Jay le dit. Pourquoi tous ces serviteurs, tu as peur de nous? Pourquoi tous ces serviteurs, t'as peur de nous? Quoi? Non, je suis le plus grand des fléaux. Non! Bien vu, Simon! J'avoue! À 3000 PV quand même. Hein.
Là, il faudra bien l'affaiblir parce que... Franchement, là, il y a pas mal de trucs. Il y a pas mal de dégâts à lui faire, là. Toi, tu restes là. Ah, par contre, il risque de faire mal, maintenant. Avant, il faisait un PV, mais... Ouais, parce que ça va encore, hein, mais bon. Moi, on est un peu en train de jouer au... On est un peu en train de jouer au ping-pong avec lui, en fait. On l'envoie toujours un peu plus loin. Ah merde, par contre, là, il est parti à l'autre bout de la map. On va peut-être essayer de le laisser approcher pour le coup. Voilà, parfait. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'avec... On va peut-être essayer de l'affaiblir un peu avec lui. Parce que j'ai peur, en fait... J'ai peur en fait qu'il ait pas... Il a diminué sa défense, je crois. Bon, allez, vous savez quoi? On prend le risque. J'espère vraiment qu'on va le tuer, parce que si on l'achève pas, ça va être triste. Dès que bon, on fait de plus en plus mal, mais bon, quelquefois... C'est bon, on l'a tué. C'est bon, on l'a tué, parfait. Ça aurait été con que de maintenant perdre des points de fans, enfin d'audience. Vous avez réussi, je repars au labo, je m'attendais pas à ça. Bon travail, Chroma Squad. Je vous remercie pas. Mais je vous présente ma forme finale. Quelle étrange situation. En tout cas, Jay est parti parce qu'il croyait assez en nous. Carrément. Attrapons cet ours. Imagination! Il a 50 000 PV. Il y a peut-être moyen, mais je suis pas sûre. On fait tellement de dégâts que... Hé hey, ça doit être l'attaque des shérifs, ça. Ouais. Ok. Non, voilà. On obtient 6, mais on fait trop de dégâts. Voilà. De toute façon, je savais bien... De toute façon, je savais bien qu'on n'aurait jamais eu le combo de 7. Hein. On fait beaucoup trop mal. C'est pas grave. On a déjà bien assez de points d'audience, donc... Bazooka...
Ouais. Le pognon qui rentre! Bon, on est qu'à une demi-heure, donc on peut continuer. Le ventriloque est évident. Pourquoi l'écran masquade oublie toujours Claude? Notre furtif personnage va devoir gérer un comportement très suspect de la part de Cérébro ainsi qu'un monstre ventriloque. Gardez éclaireur debout, donc je suppose qu'éclaireur ça doit être Claude. Hein. Ah bah non. Bah oui, faut croire. Il s'appelle Claude? Sûrement. Ouais, parce que Simon c'est le rose en fait. Ok. Donc on disait quoi? Garder éclaireur debout, gagner en 8 tours. Interrompre la préparation de compétences de boss, vaincre 10 ennemis. Okay. Faut de comprendre la deuxième partie, mais bon. Nous sommes arrivés au plus vite, Cérébro. Que se passe-t-il? Rien, pas d'inquiétude. Vous pouvez repartir au studio. Tout va bien, désolé. D'accord. Soudain, un rire sarcastique résonne dans la chambre de Cérébro. C'était quoi? Un Tengu? Il doit utiliser son talent de ventriloque, le sacripant. Je savais pas que le Tengu était ventriloque. Ah, il n'y a plus que toi et moi, les narrateurs, Cérébro. L'Orgaga m'a cloné et nous sommes maintenant le clan Tengu. Nous allons réussir là où les autres monstres ont échoué. Par ici, mon équipe. Entrez donc, les crétins sont partis. C'est fini pour toi, Cérébro. J'ai peur de toi, Tengu. Et tes Claude sont mal faits. Regardez, ils sont moches. Je parie qu'ils ne savent même pas l'enceinte de Shuriken. C'est comme ça avec les Claude. Ils ratent tout le temps leur cible. J'ai déjà connu ça. Plus un mot, Cérébro. Je le savais. Quoi? Tu n'as rien à faire ici? Le temps que je me retéléporte, les autres sont partis déjeuner sans penser à moi. Oh! Mais je me doutais de quelque chose et je devais agir vite. Je sais que mes répliques sonnent un peu creux. C'est pour ça qu'ils m'oublient tout le temps. Mais j'ai enfin remarqué quelque chose que personne n'avait vu. Eh bien dans ce cas, tout ce que je dois faire, par contre à 1 contre 3, ça va être compliqué, non? C'est de te faire taire. Attention à toi, Claude. Ils ont combien de vies, en fait? Attends. Oh, mais ils en ont pas tant que ça, en fait. Je m'attendais à ce qu'ils aient blindé de vie, mais en fait... par contre, ils me limitent en mouvement, ça va être chiant, ça. Ouais, ils me limitent en mouvement, ça va être chiant, ça. Faut que je me chromatise. Faut que je me chromatise pour pouvoir utiliser mes techniques de Sentai parce que là ça va pas être possible. Ah, et en plus. Tiens, dégage toi. Cette technique. En même temps, je devais garder l'éclaireur de vous, sinon j'étais, sinon c'était game over. Hein, on est d'accord. Claude, on a vu ce qui se passait grâce aux caméras de sécurité. On est désolé, tu vas bien? On est parti. Où est parti le chef Tengu? Bah, je ne l'ai pas vu exploser. J'ai utilisé mon talent de ventriloque sur mes clones. Je suis plus sage et plus fort que vous pensez, pauvre mortel.
Dans ce cas, pourquoi ne viens-tu pas? Ok. Ils sont pas fait chier, ils ont dupliqué les monstres. J'ai juste ton vœu, Uli. Voyons si vous allez me retrouver. Vaincre 10 ennemis. Interrompre la préparation de Kendu. Merde! Ok, elle a bougé toute seule. Techniquement, je suppose que c'est lui le... C'est ça. Ok, donc là, il la prépare. Mais comment on fait pour l'interrompre, en fait? En fait, j'ai pas trop bien compris ce qu'il fallait faire pour l'interrompre. Pour interrompre la compétence de Tengu. J'avais supposé qu'il suffisait d'attaquer, mais peut-être pas en fait. Ou alors, c'est pas du tout ça. Non, ça n'a pas marché. Je n'ai pas compris comment interrompre la compétence de Tengu, en fait. Je n'ai pas compris comment l'interrompre, en fait. Crétin, c'est encore un ventriloque. Oups. Je sais pas, j'ai pas trop compris ce qu'il fallait faire, en fait. Bon. Le monstre a été vaincu. Et c'est bon de te l'entendre dire, Claude. Nous sommes gênés de ne pas avoir pensé à toi, mais je t'ai apporté de quoi manger. On tient beaucoup à toi, Claude. Mais tu maîtrises trop la discrétion. Dès qu'on a constaté la disparition, on s'est doté de quelque chose. Vous tenez vraiment tous à moi, merci. Oh, ou bien c'est encore un coup de ventriloque. En ce qui me concerne, on a eu assez de ventriloquie pour aujourd'hui. Ah, malgré tout, on est quand même bon en fait. Y'a le pognon qui rentre! Des monstres dans le placard.
Salut Q Corporation, je vous écris pour vous dire que ma fille est une fan absolue de votre série, elle en parle tout le temps. Néanmoins, elle n'arrive pas à dormir ces derniers temps parce qu'elle a peur que Lord Gaga et ses serviteurs ne viennent l'enlever. J'ai regardé plein de fois dans le placard, aucun Lord Gaga. Que dois-je faire en tant que père inquiet? Dites-lui que tout ira bien, envoyez un jouet. Bon, on va lui envoyer un jouet méca, ça va la protéger. Wow, merci infiniment. Grâce à ce jouet, ma fille est protégée toute la nuit. Quand elle l'a avec elle, elle ne craint plus du tout les monstres. Je suis si heureux que je suis directement parti acheter toute la collection des jouets Chroma Squad. J'ai gagné un fan. Hey, j'ai gagné de l'argent en plus. Bah oui, parce qu'ils ont acheté la collection complète. C'est mignon. En même temps, faut plaire à nos fans. Hein. Ok, on a encore un peu de temps. On peut encore faire un épisode, je pense. Alors, une interview profitable. Les Chroma Squad ont été invités dans l'émission de Rachel Lazer. Tout le monde est très excité, mais ils ont une idée plus ambitieuse. Est-elle digne de ses héros? Oula. Toucher le boss à chaque fois, à chaque tour, ça c'est chiant ça. Vaincre tous les serviteurs. Vaincre un boss avec une frappe finale, ne manquez pas une attaque. Il manque quelqu'un, non? C'était un jour ordinaire chez Q Corporation jusqu'à ce que Michel annonce une grande nouvelle. Ah, le v'là. Michael. Les gars, bonne nouvelle! Je ne fais pas languir, Michael. Tu sais que ça me stresse. Vous connaissez la célèbre animatrice Rachel Lazer? Elle vient de nous inviter pour une interview ce soir. Wow, c'est génial! J'adore ses recettes. Ah non, la célébrité! On n'est pas de célèbre. Peu importe la célébrité, ça pourrait être l'occasion de vaincre Gaga une fois pour toutes. Tu as raison, Chavan. Je crois qu'on peut modifier notre booster d'audience pour utiliser la force de son signal à elle. Avec tout ce fan power, on pourrait fermer tous les portails menant chez Lord Gaga. Trop cool, est-ce que Rachel Lazer nous laissera faire ça? On pourrait l'installer discrètement, pas besoin de permission s'il n'y a personne. Rendez-vous sur le plateau de Rachel Lazer. Utilisez le téléporteur pour rentrer. Mais c'est mal, non? Il est mignon. Mais comment faire d'arriver au studio de télé pour une héroïque entrée par effraction? Juste attends, personne. On le fait et on ressort par téléportation comme, ça, comme si de rien n'était. C'est pas bien du tout, mais c'est pour la bonne cause, je crois. Ouais, on ferait mieux de garder ça entre nous, ça ferait flipper les gens. Alors que tout en l'air se passait comme prévu, un son très agaçant se fit entendre sur le plateau. Un son étrange et irritant, à la fois répétitif et extrêmement joyeux, mais agaçant. C'est quoi ce bruit? Peut-être leur alarme? Je comprends pas, ce son me rend malade. Le son sembla s'atténuer à un moment quand, tout à coup... Attention, le rideau s'est ouvert! Puis, après l'ouverture complète du rideau... Qui es-tu? Je suis Casimir! Je viens faire des câlins aux enfants! Pardon. C'est toi qui fais ce bruit horrible? Je croyais que ça vous plairait, je peux le refaire si ça vous dit! Je m'appelle Dinosaure Mignon, cascadeur pour dinosaures colorés! Sauf que ce soir, c'est vous le spectacle! Ah! Si on reste trop longtemps, on va se faire prendre. Tu as raison, Claude. Débarrassons-nous de ce monstre plus vite. Alors déjà... il nous faut réussir à envoyer quelqu'un... Attends. Zut, j'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû faire ça! Je réfléchis en fait. C'était peut-être une bonne idée.
Ne pas tuer tout de suite la grenouille parce qu'elle peut soigner. Ça peut être utile pour que le boss ne meure pas trop vite. Oula! À poil! Oula! Depuis quand tu fais des crits, toi? Depuis quand tu fais des crits, toi? Et toi t'attaques deux fois maintenant? Ok, c'est cool. Ah bah non! C'est Mauve qui a attaqué, je suis con moi. Ouh, je suis fatiguée moi. Hey, y'a des enfants qui regardent! Ah, génial, j'avoue que s'il invoque des serviteurs, ça va aussi être un peu chiant par contre. Mais il en enverra peut-être pas à tous les tours, donc il y a peut-être moyen de lâcher par après. Faut que j'agisse avec un coup critique. Non, je pense pas. Je dois juste éliminer. Il y a encore le troll qui est là. Eh ben, y a plus qu'à l'acheter. Voilà. Allez, on se retrouve dehors. Je vais bien écrabouiller ce bâtiment pour anéantir tous vos rêves de célébrité. Vite, tous au méca. Je suis. Imagination. Ne manquez pas une seule attaque. Ok. Bah, pour éviter de manquer une attaque, on passe peut-être en défense. En fait, on va éviter de faire des combos trop longs. Parce que si jamais on rate une attaque, ce serait con. Ah, attaque spéciale en coup. Bah, quoi que tu vas dans, on va l'assommer normalement. Donc, voilà. Ouais, je prends pas le risque. Voilà.
Plus tard dans la journée. Nos héros apprécient les hot dogs de la victoire. Maintenant, ça y est, je me souviens de qui est la statue qu'on voit là. C'est Big One des Jack. C'est Big One des Jack. Il m'a fallu du temps pour le retrouver, mais ça y est, je l'ai. Ça aurait pu être pire. On a au moins renvoyé un des monstres de l'Orgaga dans ses peinades. Et on n'a rien fait de mal. Je n'étais pas à l'aise à ce sujet. Combien de temps la fera-t-il pour réparer le studio de Rachel? Ne vous faites pas d'illusions. On ne sera plus jamais invité là-bas. Nous sommes les héros qu'ils méritent, mais pas ceux qu'ils ont besoin. C'est vrai. C'est tellement vrai, ça. C'est tellement vrai. Pognon! Juste pour voir s'il y a moyen d'en faire une qui est pas trop longue. Celle-ci, bah, quoi qu'elles sont en trois parties les autres, donc ça risque d'être un petit peu long. Vaincre un ennemi avant chromatisation, d'accord, gagner en 6 tours. Simon a lancé un projet secret et décidé de voler un matériau alien à Cerebro, mais agir en solo quand on fait partie d'une équipe peut comporter des risques. Détruire 4 mines, gagner en 6 tours. Non, attendez. Ah oui, d'accord, oui. Oui. Vaincre un ennemi avant chromatisation, gagner en 6 tours, détruire 4 mines, vaincre un boss avec un coup de grâce. Ok, et l'autre. Cerebro détecte un mystérieux pouvoir hypnotique émanant de l'entrepôt de gros aliens. Les Chroma Squad doivent être prudents, mais l'un d'entre eux est trop pressé de passer à l'action. Ah, je crois savoir qui ça va être. Gagner en 5 tours, réaliser 2 acrobaties. Ouais, non, je pense qu'on va s'arrêter là parce que je sens que ça va être trop long. J'ai un doute. Bon, allez, vous savez quoi, on va faire celui-là, tant pis. J'ai pas envie de m'arrêter en fait, mais bon. On va faire celui-là et après on s'arrêtera. Cerebro, tu nous as appelé? La ville a encore besoin de votre aide, Chroma Squad. Quelqu'un hypnotise des citoyens innocents pour qu'ils obéissent à Lord Gaga. Le signal hypnotique semble provenir de l'entrepôt de gros aliens. Ça se répand rapidement et nous devons reprendre le contrôle au plus vite. Ne t'inquiète pas, Cerebro. On fera comme d'habitude, taper sur tout ce qui bouge. Eh ben comme quoi, je sais bien que ce serait elle qui jouerait les héros. Enfin, trop rapide. Ce n'est pas ce que font les héros. On doit réfléchir avant d'agir. Quand des vies innocentes sont en jeu, on n'est jamais trop prudent. Tu aimes les jolies phrases, Q, mais ce sont mes coups qui nous sortent toujours d'affaires. C'est pas méchante, Lee. Je sais que Lee fera ce qu'il faut le moment venu. Allez, on bouge. Attendez, n'allez pas directement à l'entrepôt ou vous serez hypnotisé vous aussi. J'ai amélioré vos casques pour vous protéger de son pouvoir, mais le risque demeure. Cool. Merci Cerebro, tu as raison, nous allons passer par la ruelle proche. Oh, il y en a une qui va prendre la porte principale. J'entends comme des grognements. Le monstre hypnotiseur est clairement dedans. Attends, où es-tu, Lee? Oh non, c'est pas possible. Entrons vite! Qu'est-ce que je disais? Il y a un truc qui cloche. T'es un peu à la ramasse, hein, le shérif de l'espace. Hein. Quelques instants plus tôt, Lee arrivait à l'entrepôt. Je n'ai peur d'aucun monstre. Je vais montrer à Q ce que je sais jouer le héros en solo. Mais on joue pas les héros en solo, Poufias! Pardon. Lumière, caméra, chromatisation! Ok, elle se chromatise tout de suite en plus, elle. Montrez-vous les monstres! C'est ça que j'aime. Fais pas ça, Lee. Lee! Ok. Ça va pas être compliqué vu qu'elle explose tout sur son passage. Sixième de narration, voilà ton texte. Lee, sauve encore la mise. La poupette! Pardon. Tu as bien travaillé pour moi. Quoi?
Je ne sers personne, qui es-tu? L'effet d'hypnose doit s'atténuer. J'ai tué mes copains. Peu importe, je vais m'occuper de toi tout seul. Je suis Napoléon Bonentaille, le plus grand chef des monstres, et je vais conquérir la Terre. Tu ne travailles pas pour Lord Gaga, l'artiste? Un peu, mais je reste le plus grand chef après lui. Surtout après que mes pouvoirs... T'ont fait vaincre les Chroma Squad pour moi. Quoi? Que se passe-t-il? Eh ouais. Le décor s'assombrit et se met à tourner autour de lui. Alors que les terribles pouvoirs hypnotiques de Bonentaille cessent d'agir. Mes amis, pardonnez-moi, je vous prenais pour des monstres, que je fais? Moi! Je te parlerai jamais, Napoléon Bonentaille! Je vais t'aider, Ellie. Chavan! J'ai bien vu ce qui se passait, quelque chose. Je suis donc rentré par l'autre côté. Ce monstre t'a piégé, mais nous pouvons rétablir les choses. Battons-nous ensemble maintenant. Vous pensez me battre tous les deux? Je le savais bien, le combat était trop facile pour gagner en 5 tours, c'était évident. Si nous jouons malin et en équipe, oui, nous te vaincrons. Réaliser des acrobaties, ok. Vaincre un boss avec une vague de coopération, d'accord. Alors ce qu'on va faire déjà, c'est quoi? Mets-toi là. Hop. Hop, voilà. Mais putain, mais Lee, elle tape trop fort. Lee, elle tape trop fort. Pas grave. Je vais grandir et piétiner votre ville, puis ce sera la Russie. Pourquoi la Russie? Reviens par ici, lâche! Les gars, vous allez bien? Pas de soucis, on récupère vite dans ce jeu. Je m'excuse platement, Q, tu avais raison. Je sais désormais ce qu'est un vrai héros. Il ne s'agit pas de vaincre des monstres. On fait tous des erreurs, Lee. Mais ton cœur bat avec les autres. Rien ne pourra briser notre amitié. J'ai compris maintenant. Battons-nous encore ensemble. Chroma Squad avec moi. Imagination. Ah, le pouvoir de l'amitié. 4 défenses, ok. Ah bah écoutez, on va défendre tout de suite. Hein. On va se protéger. Oula, c'est net. Voilà. J'allais presque oublier de faire l'attaque finale. J'allais presque oublier de faire la frappe finale. Ça aurait été con, n'empêche. Bon bah au final, voilà, j'ai pu finir. Au final, j'ai pu faire ça.
en étant dans le temps limite. Hein. Alors. Message de Jupiter. Salut les amis, c'est Takeda de Cyberpolis. Je vous écris pour vous féliciter, Q Corporation. Vous faites un si bon travail. J'espère vraiment qu'un jour, nous pourrons tourner quelque chose ensemble. Les Chromasquois sont incroyables. Ah, j'allais oublier. Tomogo vous fait la bise. Son armure Vénus que vous avez conçue est impeccable, mais on l'a fabriquée trop tard pour le dernier épisode de la saison. Oh. Je fabrique même pas, nos costumes en fait. Moi j'achète tout. J'ai tellement la flemme. Ça sent fan de gagner. C'est vrai que niveau techniquement je pourrais fabriquer moi-même mes costumes. Ah oui. De toute façon, on va s'arrêter là. Voilà, j'espère que ça vous a plu quand même. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire si vous avez aimé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne, partagez-la, faites-la connaître. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Et je vous dis ciao tout le monde!